avec des trucs de du lait de coco et tout. Quoi? De la carbonara avec du lait de coco. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Bah quoi? Non, mais c'est, non, c'est, mais oui, c'est une strat, non? Non, mais bien sûr, oui. Oui, bah. oui. Gâteau au chocolat avec mon pipi aussi. Oui, c'est bien. Mais c'est pas rigolo, le pipi, ça hein. Se fait, non? Bah oui. Ah bah t'imagines. On en vend des, on en vend des quantités. C'est les petits trucs du. C'est les comment ça s'appelle hein. C'est les petits gâteaux du Crous là. Non mais c'est bon là, c'est bon. Ça c'est le gigaboost qui s'est activé. C'est du trolling. C'est du trolling. Non mais un ingrédient de la carbonara, la française, hein, pas l'italienne. Je crois que la française il faut mettre de la crème et l'italienne non. Ouais, bien vu. C'est ça. Et dans la française, il y a quoi d'autre? Bah des lardons. Ok. Et des œufs. Ouais, jaune d'œuf, ouais. Bah c'est tout. Ouais, bon, tu... après c'est un truc à toi. Hein. Et des pâtes? Ouais, il y a des pâtes. Bah ouais, des pâtes, il y a des pâtes. du poivre. Non, alors je sais faire un carpaccio. Bon après je l'achète à Carrefour, mais déjà découpé. Tu sais acheter la barquette de carpaccio, donc ok. Acheter la barquette de carpaccio et la décorer. Et mais je mets du parmesan et tout dessus. Oh, ah ouais. Ouais. Mais le parmesan, tu le coupes toi-même? Ah non, bah non. Ah. J'achète déjà. Ah, t'es où là? Non mais bah, vas-y, tu sais que genre 70% des tu sais que tu pourrais être cuisinier dans 70% des restaurants. Hein. Ouvrir des barquettes, c'est à peu près le travail que font les gens. C'est vrai? Ouais, les gens cuisinent plus, hein, plus le temps. Ah ouais? Le patronat, on se fait couper la tête par Macron, hein, les chars sociales, on peut plus, hein. Ah bah. On peut plus, ça c'est l'ambiance, ça c'est le mood. On peut plus. Ça c'est le mood du matin. Les 35 heures ont tué la restauration, j'ai envie de te ça, dire, c'est moi. C'est le mood du matin du Z20. Avant que tous les gauchias ils arrivent, là. Hein. Oh, on en peut plus des charges sociales, hein. Ah, on en peut plus, là. On en peut plus, on paye trop, là. Oh non. On peut pas, si tu veux, on parle de ça. Jusqu'à 14h, on parle de la surabondance de charges sociales. Ouais, voilà. La France est trop taxée, on en parle. Attendez, on en parle un peu là. Il nous Victor Mitch, hein, là. Il nous faut Victor Mitch. Bah ouais, tout ça pourquoi en plus? Il nous faut Clément. Pour payer des mecs qui vont en L2 sociaux là. Bah oui. Moi j'ai rien dit. Allez. Moi je dis rien, mais. Et tous les retraités là. Ah bah oui, les retraités. Qui vont crever. Bah oui. Allez. Puis en plus, là. Je crée une partie. Allez, vas-y. Augmenter le SMIC, pourquoi faire là? Pour acheter des télé Samsung? Ah oui, bien. Des iPhones? Ah oui, oui. Pour acheter des iPhones et donner de l'argent à des mecs qui font les PNJ sur TikTok, c'est ça que vous voulez? C'est pour ça qu'on. Hein? Oui. Attends, tu vas travailler un peu. Vas-y, on va mettre en difficulté normale. Arrêtez-le. Hashtag cancel JDG. Cancel Z-Event. Alors attends. Quartier, tutoriel. Mode bac à sable ou mode créatif? Non. Bac à sable. Jouer. Nom du serveur. Invitation seulement. Matos. Nombre de joueurs. Bon, ça m'étonnerait que d'autres gens veulent jouer à Kebab Simulator samedi matin. Mais bon, je vais laisser ouvert quand même au cas où si quelqu'un veut me rejoindre. Oh là! Tu peux me rejoindre ou pas? Bah, tu faut que je t'invite. Attends, faut que je t'ajoute sur. Je passe par Steam. Attends, mais je vais te. Non, mais rejoins la partie, c'est bon, ça. Ah ouais? Ok. Ouais. Tu peux faire un groupe. Alors. Est-ce que je peux faire Zozan? Je vais vous montrer à quoi il ressemble Zozan en vrai. Il ressemble un peu à un truc comme ça. Hop. Oh, il a pas. Oh non, pas la casquette. Ah ouais. Oh, je fais Salt Bay, Kwaku Bay. Salt Kwaku Bay. Hop là. Mais y'a pas de cheveux noirs. Oh, papalap. Bon. Dans ça, papala, là. Papalap. Ah oui, c'est le vrai kebabier du coin, ça. Hop. Au cul. En slip. Claquette. Voilà. La bouche. Voilà. Bah voilà. Une balle derrière, j'entends. Je suis nickel.
Voilà. C'est nickel, là. Il ressemble à ça. Je peux, mais j'arrive pas à changer la... J'arrive pas à changer la, la couleur de ma moustache. Là, c'est nickel, là. Attends, attends, oh, je tant mute. Pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis mute, là. Ouais. Bah, c'est Mélandine pour les 50 balles. Zone, c'est 1 euro pour les 1 balle. C'est qui le chat? Je pense pas. Pour les 20 en fait, balles. Merci, je Zaza. Je en fait, peut-être. Je sais pas. Attendez. Attends, faut que je mette mon goal des 20 000 balles. Attends, le joueur du grenier. Ouverture. Oui. Ah, oh putain, il va falloir que je fasse ça. Oh là là. Non, je dis le 20 000 balles, il faut que je fasse le stand de jus après. Oh là là. Le stand de jus. Ah, mais tu sais, du coup, c'est le premier jus de Mintos que je vais goûter, ça sera ton jus. Hein. Ah ouais. Parce que j'en ai jamais bu, moi. Mais c'est le custom, Mintos, hein. Ça va être le custom, hein. C'est pas la recette authentique, hein. Ah. Bah écoute, en vrai, comme ça, du coup, quand tu viendras à Foufou, bah tu pourras goûter le vrai jus de Mintos. Ok. Et tu comparas, quoi. Ok, ok. Pour moi, les ingrédients, ils sont, voilà, ils sont là, quoi. Ils sont un peu faisandés. Ouais, bah en fait, t'as pas trouvé les trucs que tu voulais, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, bah c'est compliqué, il y a des trucs que c'est des machins de vrai barman, quoi. Notre Eddy, JDG. Ah, vas-y. T'as déjà joué? Kebab Simulator? Non. Kebab non. Chef? Okay. Non, jamais. C'est bien, hein. Tu vas apprendre à cuisiner. Genre, avec un nom comme ça, mec, si c'est pas un banger. Allez. Joue. Ah, c'est père. Papa. Hé, hey, gamin, tu dors ah, toujours. Ah, tu sais faire ça, le vieux, ça. Vas-y. Hé, hey, gamin, tu dors toujours. Je t'ai dit de venir ici demain matin. Arrête de faire le paresseux et viens me retrouver demain mon ancien restaurant. Aujourd'hui est un jour important pour toi. Merci, Amaryllis, pour les 50 balles. Merci beaucoup. Ok. T'es dans ta chambre, là? T'es dans... Bah, ah, merde, faut se mettre en QWERTY. Ouais. Ah, c'est une catastrophe, j'ai pas ah, le QWERTY. Ah, bonne maintenant. Journée, JDG. Ta. Attends, je vais te mater là. T'es où? Comment on installe le QWERTY là? Clavier. Langue. Tape langue dans la ah barre oui, de recherche. Oui, c'est langue. Langue. Lange. Langue. Paramètres de langue. Ajouter une langue. Anglais. Ah, il est là. Ah, oh, c'est le vrai, hein. Ça, il ressemble à ça, Zozan. C'est stylé. Ouais, à peu près, ouais. Il ressemble à ça. Je le croise des fois, Zozan. Hein. Ah ouais? Ouais, des fois je le croise. Il sait pas que tout son succès vient de moi. Ah, il vit dans le déni, tu penses? Et il le sait pas. Est-ce qu'un jour tu rachèteras le Zozan? Franchement, en vrai, je pense que c'est pas... Il est ultra bien placé. Bah ouais. Il est ultra bien placé. Tu rachètes le Zozan? Il est vraiment genre au centre-ville. Bah c'est ouais. T'arrives dans Fougères, c'est l'un des premiers trucs que tu vois. C'est à côté de la place du tribunal, c'est à côté de tous les trucs touristiques. Il est genre super bien placé. Ah, pas un petit tribunal là, un petit Zozan kebab, histoire d'avoir la chiasse. La double, mais, la double peine. T'aimes bien le kebab, toi? Vraiment, non. Premier degré. Oh, franchement, la dernière fois que j'ai mangé, ça se voit pas comme ça, mais le kebab, j'aime pas trop, tu vois. Je pense que la dernière fois que j'ai mangé du kebab, c'était peut-être il y a 12 ans, tu vois, un truc comme ça. Et je me souviens que je l'avais payé une fortune, c'était à Perpignan, je l'avais payé 12 euros. C'est ouais, cher, non, mais, non, le kebab oui, mais moi, je crois que j'ai jamais mangé un kebab ici à Montpellier. Legit, hein. J'ai mangé d'autres merdes, hein, mais alors le kebab. Merci pour les 30-11, Jabba. Moi je suis pas mieux. Ah, on est d'accord, 12 euros c'est super cher. 12 euros le kebab, bon c'est les prix, hein, c'est l'inflation. Ah ouais, c'est vraiment. Non, mais moi je te parle d'il y a 10 ans là. C'est Macron encore là. Ah, il y a 10 ans. Oh là. Ouais. Oh, mais ça a changé. Alors regarde, je te fais le tour du quartier là. Allez, vas-y. Alors là, il y a la. J'allais dire la Cogi, mais non, là il y a le. Il y a Korkmaz, Green Grocer. Ah ouais, c'est voilà. Là où on achète les tomates. Il y a un moment là. Il y a un moment, effectivement. Il y a un moment qui nous vend des courgettes. Putain, il y a un moment avec une cascade d'Alpha Cast. Oui, mais non, c'est stylé. Là, il y a un moment. Moment. Là, il y a un moment. Il vend des courgettes et des trucs. Là, c'est notre collègue. Il nous vend la viande, voilà, la viande humaine. D'accord. Et tous les restes, voilà, de tout ce qui reste par toi. On sait origine pas qui France, c'est ça. J'espère. Bon, je pense origine, on sait pas trop, hein. Toute la viande faisandée. Et le jeu est magnifique. Ah, cette ville est incroyable. Ah, il y a papa là. Ah, c'est papa. Voilà mon fils. Je vous demandais pourquoi j'avais venir ici. Il est temps pour vous de voler de vos propres ailes. Je suis ici pour vous guider vers notre héritage familial avec ce restaurant et vous aider à faire le premier pas pour devenir le meilleur chef de la ville. Tu veux que je fasse l'accent ou pas? Non. Pitié. Tu vois que j'ai un patient à cette nouvelle génération, d'accord? Prends cette clé, fais-nous entrer. Vas-y, prends, c'est ton fils là, c'est ton père là.
Vas-y. Vas-y, entre dans... Oh, il est bien. Ah oui, le trésor. Ah, bien. Le trésor de la famille, il est ah bien. Bah, je pense on peut ouvrir direct, hein, mec. Voilà, c'est bon. L'hygiène, c'est parfait. Oh, j'ai allumé. Allume ces lumières, tu veux bien, et regardons à quoi ça ressemble. Ah merde, il veut pas que je fasse. Je vous mets dans la poubelle. C'est un gâchis total, ça a l'air pire que dans le souvenir, c'est bon d'être de retour. En tout cas, tu devrais d'abord nettoyer ce gâchis. Enfin, je veux dire, tu devrais vraiment t'aider pour... Je suis un vieil homme maintenant, j'ai fait vieux. Je suis vieux. Ah. Bah, tu vois, je m'attendais pas à lancer trop des simulators ce week-end, je suis content là. Je suis chez moi, ah. Tu vois. Je me sens comme à la maison. Ah, faut frotter le sol. Bon, je frotte le sol. Hein. Bah, il parle au père là. Comment on frotte ? Avec l'éponge. Tu connais les éponges ? Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai entendu parler. Moi, apparemment, il y a des éponges, c'est genre des vraies éponges. Les trucs bio, c'est des vraies éponges qui prennent dans l'eau et tout. C'est horrible. Ah oui, c'est le truc dans Crime Simulator, les éponges. C'est horrible. Ouais, c'est oui, c'est ça. Crime Cleaner, ouais, je connais. Bon travail, c'est en effet un bon début, après tout. Il est toujours important de garder son lieu de travail propre. Maintenant, réparons ces murs et ces sols délabrés. Et quelle était cette boutique en ligne dont tu parlais ? Ah, hein ? Amazon. Porna. Happy. Hein ? Non. Happy Tab. Ah, Amazon. Tab. Vas-y, je m'occupe du sol, moi. Ok, moi je fais la déco, c'est ça ? Il faut faire le mur, je crois. Construction. Ok, magasin de construction. Surface. Ok, je fais la déco. Moi je fais le sol moi. Ah je peux pas faire ça pendant le tutoriel, merde. Hop. Je ne peux pas faire cela. Comment ça hein? Comment ça? Ah il faut mettre forcément le truc de base. Ah bon, je te laisse faire, travail. Ouais bah faut faire le truc de base. Et moi je fais le sol moi. Plancher. Ah non. Plancher, merci vous, plancher. Surface. Plancher. 0. 0. Voilà. Voilà. Agréable et lisse, mieux que jamais. Maintenant, débarrassons-nous également de ces meubles cassés. Alors, si vous souhaitez un meuble ou un plan de travail, appuyez sur C, mode normal et mode édition, appuyez sur C. Appuyez sur C. Casse. F, vendre. Faut vendre les affaires là. T'es mute, hein. Je sais pas si t'es... Ah pardon. c'est bon, je suis en mode kebab. Ok, là. C'est bon. Attention les filles, je passe en mode kebab. Hop. Et maintenant, de mieux en mieux, trouve pas. Maintenant que nous avons l'espace, nous pouvons remplir de nouveaux meubles. Ouvre ce magasin. Vas-y. Tu veux bien. J'ouvre. Attends, maintenant, il faut ouvrir le magasin de la tablette. Bah, c'est comme ça te... Ah mais on peut pas le faire à l'ancienne. Faut acheter des meubles. Faut pas acheter une roulette à kebab là, comment ça s'appelle là le... C'est Cindy pour les 5 balles, Margot pour les 5 le balles. Le truc pour faire le... Non ? Hein ? La broche ? Non, il y a déjà la roulette des tables. À kebab. Faut des... Oui, la roulette, ouais. Non, la broche. Non, mais il faut des tables. Magasin, meubles, vas-y. Achète. J'achète des... Vas-y, j'achète des tables. Vas-y, j'achète des tables. Je m'en occupe. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, je mets ça là. Regarde. Ok, tu optimises le... Ouais, okay. J'optimise. Également besoin d'un évier et d'un comptoir. Il est important d'avoir du terrain pour travailler, ça. Ok, faire les comptoirs, moi. Stand. Non. Attends, non putain. Comptoir, là. J'en ferai plus tard. Station. Non. Meuble. Comptoir. Ah. Qu'est-ce qu'il faut ? Faut ça ? Bon, j'ai pris... Vas-y, achète l'essentiel, quand même. Je sais pas ce qu'il faut acheter. Un évier ? Faut acheter ça. Un comptoir. Il faut... L'évier, on a ça. Ah putain, qu'est-ce qu'elle a ? Attends, c'est bon, j'ai un comptoir. Excuse-moi, j'ai un téléphone. J'ai un téléphone urgent. Bienvenue, salut. Salut les JD Joss. Moi, je suis là, je suis pas au téléphone. N'hésitez pas. La team 1000 balles de chez JDG. On fait des dons. Il y a le bonjour. Chaque don 1000 balles, je fais le JDG thème à l'automaton. N'hésitez pas, c'est value. Merci Willor, merci quand le beau. Merci beaucoup. Accéder à la catégorie plan de travail. Plan de travail, station. Et là, qu'est-ce qu'il faut désolé, là désolé, 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 je suis là. Un porte-couteau, il est où porte-couteau alors porte-couteau, j'achète. Ah, regarde, c'est un porte-couteau ça.
C'est un porte-couteau. Ouais, avec une... c'est quoi ça, le truc en bois en dessous? Ah, bon petit, c'est presque fini. Maintenant, nous avons juste besoin de quelques ustensiles de cuisine pour t'aider à démarrer. J'ai besoin que tu ailles chercher un colis au marché. Vas-y, viens si tu veux. Ah, le propriétaire des lieux me l'a filé. Je le connais depuis des décennies. Tu iras souvent chez lui. Ah, bah c'est oui. Ok. Ils font des magouilles, ils font des magouilles. Je vais au marché, je vais... Ils font des magouilles depuis 10 ans, quoi. Oh, putain, Sangoku, quoi. Je baissais la musique parce que je vais péter mon crâne. Palap. Ah oui, mais c'est Momanus. Palap. Faut aller à Momanus, là. Palap. Attends, je vais Momanus. Parler à... Qui va parler, attends, là je reparle au vieux. Attends, mais il faut être en mode kebab pour parler aux gens. Attention, je passe en mode kebab. Quoi? Je me mets en mode kebab pour parler à papy. Oui, mets-toi en mode kebab. Non, faut aller parler à Momanus là. Ah, c'est à Moment qu'il faut aller parler. Ouais. Il est où, Moment? Il est là-bas. Au fruits et légumes là-bas. Mais il a pas de point d'exclamation, voyons. Non. Rendez-vous au marché. Hein. C'est pas là le marché. C'est pas là. Où le marché? Ah, mais là. Là. Ah, bah oui. Bazoglu. Oh, ça sent. Ça, c'est l'épicerie roumaine, ça. Mais non, mais c'est. Non, c'est pas roumain. C'est turc. Un petit peu aussi. Oh, c'est pareil. Enfin, non. Non, mais non, je veux dire. Non, c'est de l'Extrême-Orient. Ça fait, bref. Tiens, faut prendre le colis là. Ah, il est où le colis? Oh, tu l'as attrapé? Je le prends. Je le vois pas. Ah, tu l'as? Vas-y. Moi, je prends le colis. Ok, j'ai le colis. Sors tout de la boîte. Petit. Maintenant, sors de la boîte et... J'ai pas eu le temps de dire. Sortez tout de la boîte. Ah ouais, là, vas-y. Ok. Tu fais le bol. Il y a le... Il y a l'allume-feu. Ah, il y a le charbon. Ok. Un petit restaurant décent pour commencer... Ah, pour commencer à poursuivre vos rêves. Passons maintenant à la partie délicieuse. Tu te souviens du livre de recettes? C'est formidable que tu as sauvegardé numériquement. Oui. Tab. Sont les recettes. Menu. Recettes. Ah, le bœuf grillé. Tu pensais faire des kebabs? Est-ce que tu pensais faire de la broche grillée aujourd'hui? Bah ouais, non. Bah non. Ah. Oh. Du coup, on n'est pas en mode kebab? Bah si, mais il faut faire du bœuf grillé avant. Ah. Oh. Donc il faut entrecôte, sel, poivre, tomate. T'as okay. Vu la recette? Alors, ouais, tomate. Alors, où est-ce que je coupe les tomates? Il faut un truc pour couper les tomates? Faut un couteau, ouais. Mais il faut un lieu, il y a un lieu pour couper les tomates? La planche à découper? Elle est où? C'est ça? Ah, ouais, côté couteau. Et elles sont où les tomates? Bah faut aller voir Momanu, je crois. Hein. Ah, faut aller jeter des tomates? Attends, ajouter des recettes au menu en faisant glisser. Attends, tiens, il faut qu'on fasse le menu. Tiens, je fais le menu d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le menu. Vérifier okay. Le détail de la recette. C'est toi, ça. Ça, c'est toi. Ah, moi, je m'occupe des recettes, moi. Il faut entrecôte, sel, poivre, tomate. Tu veux que je vais acheter entrecôte, sel, poivre, tomate. Ouais. Vas-y, je vais acheter ça. Oh, je le sens mal. Arrête, c'est bon, je sais ce que c'est une tomate quand même. Ok. Tomate, fruits ou légumes? Persil, c'est des tomates? Non. Tomate, fruits ou légumes? Fruits. Ok. C'est en glace. Y a pas de tomate. T'es chez Momanu là? Je suis chez Momanu, y a pas de... Ah si, ok. Ok, j'ai découvert les tomates. Heureusement que tu m'as dit, ouais. Tu savais à quoi ça ressemblait une tomate. J'en prends quoi, 10? Non, prends-en... Mais c'est marqué à gauche, là. Ajouter du persil. 5, ok, c'est bon. Un peu du persil, vas-y, j'en prends... Combien? 5? Ok, 5. Merci le Macron qui danse. Et finalisez vos achats. Okay, ah, qui donne bien. Pour les 10 balles. Merci le système pour les voilà, 50 balles. Tac. Merci Tonton Sergio pour les 10 balles. Elle est où? Là. Vas-y. Ok, on retourne au restaurant, là. Je te fais travailler, là. Travaille, là. Rendez-vous à la boucherie. Hop là, je vais à la boucherie, vas-y, commence toi, commence à préparer. Optimise. Oh, c'est prêt là, c'est prêt. Faut une entrecôte. On aura là. Ça, c'est une entrecôte. La pression tout à l'heure. Putain, 200 balles l'entrecôte, ils font pas chier hein. Bah après, c'est pas des euros. Bon, c'est quoi la monnaie turque? Je sais pas. J'avoue que là, y a pas étoile, y a pas. Ah, t'en as pris deux! J'ai rien pris moi. Les liras. C'est dire. Voilà, il est presque l'heure de manger. J'espère que mon enfant pourra me cuisiner un délicieux kebab. Ouais. Alors vas-y, je coupe les tomates. Attends, comment on ouvre? Prendre la boîte. Prendre. Vas-y, je coupe les tomates. Faut pas les prendre tous en même temps? Ouais.
Oh là non, tiens, on est obligé de faire un par un, je crois. Ok, moi je mets la viande au frais. Je coupe les tomates. Allez, fais. Ah. J'ai embroché la tomate. Merde. Quoi? J'ai embroché la tomate. Mais non. Repose. Non, une tomate par une tomate. Oui, mais comment on la coupe? Attends, alors ça c'est un pic à brochette, ça, c'est pas un couteau. Ah, d'accord, je me disais que c'était long pour un couteau. Ah, il y a des couteaux longs comme ça, mais, ouais, mais là, j'avoue, là... C'est peut-être un truc typique. Ah, c'est un pic à brochette, là. À part si je fais une brochette de tomate, là, je le pose là. Non, ça c'est la même chose. Il est un couteau. Non, mais regarde, prendre un morceau d'entrecôte. Il faut pas commencer par la tomate. D'accord. Voilà. Tu fais quoi? Tranche le morceau d'entrecôte avec le couteau. Tu poses, ouais, là. Okay. Il est où le couteau? Il est là. Mais je vois pas de couteau. Quoi? Au-dessus de la planche, là. Ah oui, d'accord, c'est dedans. Oh okay. Vas-y, fils de poule. Voilà, c'est bon. Pour 30 balles. Ajouter du poivre au faux filet. Attends, une tranche, là. Une tranche, là. Poivre. Tu joues best-of, là. Là, c'est bon, j'ai mis du poivre. Ok, trois fois, faut mettre. Faut pas le cuire, d'abord? Non. Maintenant, le sel. Ok. C'est bon. Non, non, il y a pas un sel, là, t'as mis. Non, j'ai mis trois. Non, t'as mis un, là. Tu sais pas viser. Ouais, voilà, ah, c'est bon, t'as mal visé. Verser le charbon. Ok, non, pas sur la viande, le charbon. Oh. dans le barbecue, voilà. Ok, maintenant du bois. Ouais, ok. Et maintenant, allumer le feu là, Johnny Hallyday, voilà. Ouais, c'est bon. Maintenant, ça chauffe, faut attendre que ça fasse la braise. Calamitas, je vais t'appeler Calamitas, j'avoue. Inférieur, la tranche de... Ah, faut mettre la viande à cuire. Vas-y. Je te laisse faire, ouais. Moi, je sais faire, voilà. Alors là, il y a quoi? Ah oui, tu vois. Quand c'est rouge, quand c'est tout rouge, tu tournes. Avec quoi? Il y a pas un petit... Avec ta main, hein. J'imagine. Retournement, d'accord. Ah, Samy, vas-y, tourne. Voilà, ouais, bien. Oh, elle est belle. Elle est belle, là. Bien rosée. Bien rosée. C'est quoi la cuisson de viande? C'est quoi la cuisson de viande parfaite chez toi? Bien cuit. Ah ouais? Oh, ah ouais, bien cuit, toujours. Toujours bien cuit. Je déteste... Moi, c'est l'opposé. Ah ouais, c'est bleu. Moi, c'est bleu. Moi, c'est juste chaud à l'intérieur. Ah ouais, non, ça, je déteste, par contre. Oh. Ah non, moi, c'est bien cuit. J'adore. Moi, le truc où c'est bien de la semelle et où tu dois mâcher, là, j'adore. Mais pourquoi? Mais parce que c'est trop bon. Mais est-ce que c'est genre le jus que t'aimes pas? Ah mais j'aime bien, des fois ça dépend, tu vois, genre les steaks j'aime bien quand c'est saignant, mais par exemple une entrecôte qui est déjà dure à mâcher de base, je préfère qu'on soit bien cuit. Ah, quand c'est bien, ouais, ok, tu fais bien les dents, ok. Ah, tu me dis, on en reparlera dans 20 ans, hein. On fera plus de Chico. C'est le contraire, au contraire. Tu sais que depuis que je suis petit, je mâchonne des bouchons en plastique. Ah bah c'est bien et ça. Et du coup, mon dentiste m'avait dit quand j'étais petit que j'avais des super mâchoires grâce à ça. Du coup c'est cool, quand tu bouffes une entrecôte, t'as l'impression de manger des capsules d'eau, c'est ça? Quoi? Tu viens de dire que tu mangeais des bouchons d'eau. Oui, des bouchons en plastique, ouais. Du coup, ça te rappelle la texture des bouchons en plastique? Un petit peu, ouais, vrai, voilà. Okay, fou, okay. Alors, une petite assiette, monsieur. Sont où les assiettes? On n'a pas d'assiette? Si, derrière toi, t'inquiète. Ah oui. Bon, t'inquiète, après je t'aiderai, hein, mais moi j'ai déjà joué au jeu, donc... Ah, ça c'est voilà. Bien, une belle présentation, ça. Les tranches de faux filet et les ingrédients d'accompagnement. Ouais, comme ça. Ok. Attends. Hop. Allez. Non. Trancher l'entrecôte, griller tomate. Ah, faut faire griller les tomates et trancher la tomate. Ah, d'accord. Ok, vas-y. Il faut trancher le persil aussi, là. Ah bon? Ouais, hop. Ok, vas-y. Ok, tu fais cuire la tomate, là? Ouais, je fais cuire la tomate et le persil. Non, mais le persil, ça se fait pas cuire, par contre. Ah merde, il a brûlé! Bah oui! Par contre, faut le couper, le persil, ouais. Ah, faut le couper, d'accord. Je m'occupe des tomates, joueur du grenier. Ah, vas-y, je coupe le persil. Je peux pas couper le persil? Avec un couteau? Bah, ça marche pas. Ah, je m'occupe des tomates, moi. Ok, vas-y. Comment? Attends, mais j'arrive pas à couper le persil. Hop!
À moins que tu peux le faire dans ce sens, peut-être. Moi, je pense que tu l'as cramé, surtout le persil, il est dead. Mais non, je te jure, j'arrive pas. Après, c'est pareil, il est dans l'assiette. Non, vraiment pas, hein. Bah, regarde. Non, mais ça marche pas dans le tuto. Attends, je vais couper le piercing, moi. Oui, c'est pas clair. Mais attends, mais tu l'as cramé aussi, celui-là, de persil? Non, je l'ai pas cramé. Voilà, masterclass. Foutage de gueule. Prendre un morceau. Hop. Eh bah, c'est bien mieux, là. Et les comptoirs, et puis après, il faut mettre sur le comptoir. Là-bas? Ouais. Bœuf grillé, let's go. Allez. Ah, chaleur 7%, c'est quoi? Parce que c'est froid? Tout à fait. On l'a pas fait assez vite. Merci Nosred. Merci T pour les 10 balles. Merci pour les 10 balles. Merci Anony pour les 2 balles. Merci Romus pour les 20 balles. Imagine un mec qui mange comme ça. Très usagé. En te regardant là, dans les yeux. C'est bon? C'est bon, ouais. Là? T'aimes bien? Ouais. Ah, regarde, c'était. T'as tout mangé, hein. Je l'obsède, quoi. Ster. T'as tout mangé, là. Il met un doigt, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, il me donne l'argent. Hop là, 100 balles. Bien sûr, après chaque client satisfait, il y aura une vaisselle à nettoyer. Tu dois nettoyer les assiettes avant de les réutiliser. Nous ne voulons pas que les clients reçoivent leur nourriture dans des assiettes sales, n'est-ce pas? Ah, ça, il y avait pas, ça. Tu fais la vaisselle? Bah, je sais pas comment on fait. Ah, faut mettre là. Wash, tu veux wash? Vas-y, je wash. Vas-y, power wash. Attends, non, comment ça marche? Attends, je crois que j'ai reçu un message d'insulte de ma femme, là, à l'instant. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas... Pardon, madame, c'est moi, c'est ma faute. Comment on fait? Ah, comment on fait la vaisselle, oui. Ah oui, non, ouais. Je comprends. Non, mais c'est pas ça, mais j'arrive pas à prendre l'assiette. Le struggle. J'arrive pas à prendre l'assiette. Il faut mettre le panier dans le... comme ça, là? J'arrive pas à mettre de l'eau. Je regarde. Mythos. Comment on fait, merde? C'est quoi le bouton? C'est E. Mais ça marche pas. Là, là, dans l'évier. Voilà. Ah oui, d'accord, ah, c'est automatique, d'accord, oh, ok, c'est bon. Comme vous le savez, j'ai pas lu. À peu près les balles, tu peux commencer à partir d'ici. Ah vas-y, c'est parti là, ah, je rêve mon rêve d'ouvrir là. Oh, non. Hop là, c'est ouvert. Allez, vas-y, allez, Mythos, cuisine, plus vite. Allez, écoute, c'est quoi, je te propose, je fais le manager. Ouais, vas-y, on fait chacun son tour. Bah, je manage. Ouais, voilà, manage. Je manage. Ouais, manage. Alors, mon petit Mythos, ça bosse, là, ou quoi, là? Ouais, on est bien. Attends, je fais la prep pour le rush, chef. Bon, tu me dis quand ils arrivent, hein. Ah c'est bon, ils arrivent. Attends, je vais rajouter des tables. Vas-y, c'est quoi le bouton? Attends, c'est tablette, voilà. Non, merde. T'as qu'un autre constructeur, meuble. Ils se régalent déjà, hein. Oh, j'ai bien dormi. Ah ouais, moi j'ai bien dormi, hein. Le lit, c'est quelque chose, hein. Un bon lit. 5-0-0 500 balles. OMG. Dans le jeu ou... Non, dans le jeu, dans la vraie vie. Et il lève le doigt, là. Pourquoi il lève le doigt? Ah, mais il y a plus de viande. Mais je vois du grenier. Ouais, faut cuisiner plus. Mais ils ont faim, mais dis-moi qu'ils ont faim. Bah, ils ont faim. Oh. Attends, mais je suis en train de placer des tables pour optimiser l'argent. Mais comment ça? On a rien à manger. Ah bah, clean cut. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma part du boulot. Mais viens m'aider. J'arrive. Ça cuit pas l'entrecôte là. Attends, je te coupe des tomates. Comment t'as retourné le bail? Comment ça j'ai retourné le bail? Comment on retourne? R. Il faut préparer une assiette. Vas-y, je te prépare deux assiettes. Oh mais trop tard, trop lent. Tomates. Ah t'es bien stressé je trouve. Mon entrecôte est cuit pas.
Bon, vas-y, tiens, tiens, tu peux servir ou pas? Ouais, j'y vais. Est-ce que tu peux faire au moins ça? Vas-y, vas-y, sers ça. Non, bah au moins ça, s'il te plaît, je suis le manager. Vas-y, fais ça, fais ça. C'est pas terrible, hein? Si, si, c'est bien. Je vais t'acheter des entrecôtes et des tomates. Mais non, mais... Quoi, non? Mais il faut les servir, eux. Bah, c'est ton boulot, moi je fais les stocks. Ah mais non, mais d'accord, hey, faut y aller... Il faut... Y a la vaisselle à faire. Bon, j'arrive aussi, attends. Faut que je trouve comment... Pourquoi il se barre? Il se barre en plein service. Reviens, là. Pourquoi il y a le feu? Mais il y a pas le feu, je cuis des tomates. Le mec, il se barre en plein service. Attends, je mets ça par terre, là, voilà. Faut faire la vaisselle, faut prendre les assiettes. Non, mais non, mais reviens. Reviens. Oh là là. Mais je t'ai acheté des tomates. Reviens, faut faire la vaisselle, bordel. Oh, y'a plus de feu. Non, mais vas-y, FF. Mais je t'ai ramené des tomates. Putain, je m'en fous, les tomates, faut faire la vaisselle. Ok, je fais la vaisselle. Mais y'a pas de vaisselle à faire. Mais les tables, ah, sur les tables. Oh bah ça va, c'est sur les tables, y'a des assiettes. Bah oui, mais sur les tables, si les clients ils voient que c'est caca, ils viennent pas. Ah, ça se voit que t'es jamais là. Oh non, j'ai brûlé la viande. Ah bah bravo, ça critique mon travail. Oh, mais c'est ta faute, ça. Regarde, il lève le doigt là, il faut récupérer l'argent quand il lève le doigt. Ah oui? Ok. Ah, tu sais faire ça? Ouais, c'est bon, je le fais. Ok, elle est bien cuite celle-là, mais vas-y, j'ai caché. Vas-y, j'ai gratté le dessous là, tu peux la mettre en vente. T'as gratté le dessous? Ouais, je l'ai un peu trop. Là. Celle-là, là. Ok. Un peu trop cuit, mais ça se voit pas, c'est bon. C'est bon. C'est encore une fois, c'est de pas très bonne qualité, moi je trouve. Monsieur. Ni vu, ni connu. Regarde. Hop, vas-y, j'en ai un autre là. Ok, c'est bon. Merci pour les 500 balles, lol, encore. Merci beaucoup. Merci Anonyme pour les 2. Merci Nosred pour les 5. Et les 10. Merci T pour les 10. Vraiment, je fasse les autres alertes. Hein. Fin de journée. Oh non. Ah, je l'ai fait en trop celle-là. On va la mettre au frais pour demain. On fait ça? T'es mute, hein, au cas où. Ah merde, pardon, oh, je lance le genre. Ouais, non, mais congélo. Ok, je l'ai mis au frais, on remballe. Ah, c'est la. Ah, faut que je reset ma jarre. Ah oui, ok. Vous l'avez rempli déjà? Attends, oh, regarde, il a. Bon, faudra que je fasse un don. Attendez. Attends, faut je que peux je. Pas. Merde. Attends, je reset la jarre. Bravo à vous. Qu'est-ce que t'as fait quoi? Non, j'ai une jarre. Quand on met Traire dans son message de don, ça remplit une jarre et je fais un don à la fin de la jarre. Ah. Continue à me traire, hein, bien sûr. Que nous étions aussi sur le point de passer les 25 000 balles, du coup. Bravo. N'hésitez pas. Oh, dégueulasse. Ça reste un kebab, ça va. Oh, Ikpor. On n'a plus de quoi faire du feu. Attends, il faut faire du feu. Un. Voilà, je fais le feu, là. Je fais le feu. Ah, c'est vrai que c'est là, le feu, j'avais oublié où c'était. C'est quoi mon... Attends, je sais plus c'est quoi mon truc des 25 000. Je vais faire quoi? Ah oui, le Captain Diabète. Quoi? C'est je joue à Captain Diabète avec étoile. T'as pété un plomb? Comment ça, Captain Diabète, tu te moques? Je connais pas Captain Diabète. Captain Diabète. Captain Noveline, mais... Voilà, c'est ça, bah c'est ça. Mais tu te moques des diabétiques? On te fait rire? Bah non, pas du tout ça, c'est un jeu qui est fait pour ça les diabétiques. Ça te fait rire la maladie? Bah, comme toutes les maladies de manière générale, mais après... Ok, bah je sais pas, parce que moi je suis team diabète et... Bon bah attends, faut que je jette ça, hein. Ça fait chier, mais... Viens jouer avec nous. Moi, je viendrai jouer avec vous, je pense. Hein. J'ai mon interprétation du diabète, tu sais. C'est pas la même que lui. Et c'était un jeu qui était distribué par les médecins, je crois. Faudrait que je vérifie. C'était un jeu qui était distribué par les médecins. Il y a eu plusieurs jeux comme ça. Il y a eu Brachis de Brachiosaurus. Ah. Pour les gens qui étaient atteints d'asthme. Il y a eu, il y avait un jeu pour les, il y a des, pour les diabétiques, il y en avait plusieurs. Ah bah oui, bah. Il y avait Captain Novoline et il y avait
Rex Ronan. Il y avait un truc qui se branchait sur la Game Boy et tu pouvais te piquer le sang ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. Bah voilà, on a fait une belle journée là. Pardon. On a fait une belle journée là. C'est pas ça, c'est... Oui, ouais, belle journée. On rentre. Bon, t'as les bases là, c'est bien. T'es trop près là. Vas-y, on va dormir. Eh, il nous faut des nouvelles recettes là. Déjà, faut maîtriser celle-là. Non, mais c'est bon, ça s'est fait maîtriser ça. Allez, où est-ce qu'on. Ah voilà. Attends, la chambre du Crous. Oh, on est bœuf grillé 2, masterclass. Yes. Vas-y pour les 30-11. Feu flamme et jazzy. Putain, mais on a trop dépensé par rapport à ce qu'on a gagné. Bah, c'est toi qui as acheté plein de tables. Tu fais exactement la même que sur Supermarket Together là. Sur Supermarket Together, c'était exactement la strat qu'il fallait faire. Il y avait 20 étagères où il y avait rien. Ça sert à quoi? On aurait dit le Covid. Quand c'est moi qui dirigeais le truc, je te jure que on aurait tout était bloqué. Il y avait plus de PQ. Mais non, mais votre strat, c'est quoi? Tu crois que Carrefour, ils font quoi? Ils font du bénéfice en achetant tout, en vidant tout et après. Tout est plein. Mais oui, mais tout est plein tout le temps, c'était mon objectif. Bah là, c'était pas plein, il y en avait trop. Mais on était au début de la partie, c'est les gens qui faisaient n'importe allez. Quoi. Oui, bah oui. Oh, vous savez pas gérer des chefs d'entreprise médiocres. C'est bon, allez, vas-y. C'est bon, hop. Hop là, allez, moi je vais. Ah, recette débloquée. Ah, voilà. Attends. Ah, oula, c'est qui celui-là là? C'est qui? C'est qui celui-là? Maître. Master. Maître. Ah, regardez ce que nous avons là. La pomme ne tombe jamais de bien droit. Non. J'y ai déjà vu cet endroit s'élever et s'effondrer. Vous devrez être son fils. Espérons que vous ne serez pas une nouvelle déception. J'espère que tu comprends la nature délicate de ce secteur, mon garçon. C'est la jungle culinaire. Seuls les plus forts arrivent. Voyons si ta petite entreprise peut résister à la chaleur. Merci bon, il a l'accent. Obtenez d'abord l'approbation de l'autorité gastronomique. Je souhaite ces Gaspard savoureux. Et ensuite, je serai peut-être prêt à vous sacrifier, à vous affronter, si je suis de bonne humeur. Il a et bonne chance, c'est le nouveau, si c'est possible. Ok, les gourmets sont les. Ah oui, c'est vrai que c'est les boss. Oh, regarde, oh, laisse-moi faire les accents. Juan, oui, non, mais bon, bah, t'inquiète pas, je vais en faire. Moi, je vais pas faire d'accent, hein. Hola, amigo! Bon, il faut faire un nouveau menu. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, y'a quoi? Y'a quoi comme choix? Tablette. Mais il faut les débloquer, je crois. On a que le bœuf grillé pour l'instant. Non, on a la cuisse de poulet. Et. Le bœuf frites. Ah non, les frites. Juste les frites. Bah, vas-y, achète une friteuse. On peut... C'est un kebab sans frites, c'est pas un kebab. C'est vrai. Attends. Frites, tu achètes ou je fais? Achète. Ah, tu peux faire l'aventure aussi si tu veux, dans stand. Non, okay. Dans extérieur. Vas-y, je m'occupe de l'aventure. J'annule tout, je ne le connais pas. Fabien de construction. Extérieur. Et où la friteuse? Ah là. Ah, mais on peut pas, c'est genre level. C'est level 1000. Ah bon? Ah ouais, on peut pas. Faut être level 30, on est level 2. Ah, dans 8 jours. Ok, j'ai la friteuse. Bah, je vais acheter des frites. Ouais, vas-y. Je vais acheter des frites. Vas-y. Alors, on fait quoi? On fait frites. Et on fait bœuf. Ouais, frites, bœuf. Bah, le steak. On a encore du stock de steak donc. Cumin, thym. Ah, puis j'en ai encore d'hier là. Farine. Je vais mettre à réchauffer. Attends. Moi. Il faut de l'huile pour faire des frites? Oh, c'est mieux, oui. Ouais, ok. Demande aux Belges de ton chat, ils vont te dire. Ah, je sais pas, moi je mange des frites au micro-ondes alors bon. Ah, bah oui. Comme tu m'étonnes. Au micro-ondes? Comment ça, au micro-ondes? Bah, c'est les frites, tu mets 2 minutes 30 au micro-ondes et puis après tu les manges. Ah bon? Les frites McCain au micro-ondes. Il faut des patates pour faire les frites? Ah ouais, c'est mieux, ouais. Non mais j'en sais rien, tu peux les acheter toutes faites déjà, non? Ouais, patates, frites. J'en prends 10? Prends-en 2-3 déjà et puis on voit. Bah j'en prends 10. Alors, qu'est-ce qui m'a... De l'huile de tournesol. Ah c'est bien ça. Non mais prends-en pas 10!
Bah si, il faut beaucoup de frites, ouais. Il faut beaucoup de patates, faire des frites. Ouais. Croissant, porgeat, t'es bon? Ouais, c'est bon. J'ai tout, bon, merci beaucoup. Oh, on nous ramène même le petit-déj. Oh, incroyable, trop bien. Ah ouais, super, merci. Ah mais attends, non, j'ai déjà pris un petit-déj. J'ai oublié. Bon, vas-y, double petit-déj, là. Un petit. Hop, comme ça. Ah, toi aussi? Regardez, POV, JDG, oh, j'ai mis de l'huile dans la friteuse. Ça serait avec plaisir, mec. Ils viennent de dire qu'ils voulaient faire du Star Citizen, ils sont tous en train de nous rejoindre. Pour les 30-11. Ils sont tous en train de nous rejoindre. POV. Quoi, comment ça, Star Citizen? Tonton, il veut faire du Star Citizen. Ah ouais, go. Go, c'est bien ça. Ah, j'ai Rivenzi qui m'en a parlé aussi. Fait là. Ah, ok, fais-le plein. Et une fois que c'est propre, tu peux les remettre là-dedans, ouais. Mais moi, j'ai volé un sandwich au thon. Pour midi. Ah, les sandwichs au thon. Bon. Bah, alors, t'as la recette des frites? Bah, c'est des patates. Ouais, mais dans le jeu, là. Bah, c'est des... Bah, non. Des alors, fais voir. Frites, non, comment on fait les frites? Bah, avec des patates qu'on découpe. Transférer, panier friture, frire à l'aide. Attends, je vais découper frites. Les patates. Mais attends, on a un ketchup mayo? Bah non. Bon, bah tu manges des frites nature? Bah ouais. Bah oui, évidemment, je mange des frites nature. Non, mais y'en a marre. Comment ça, tu manges des frites nature? Bah c'est parce que sinon, si tu les inondes dans du ketchup et de la... Dans des ketchup et de la mayo, bah tu sens plus le goût de la frite. Ouais, c'est pas... C'est bon quand même la frite. C'est bon quand même la mayo. J'aime bien les frites nature. Hein. Non. Ah oui, mais après, c'est des frites McCain, donc oui. Moi je les prends nature, sèche et au micro-ondes. Ok. Les frites. Bon bah on est prêt je pense. Hein. Ouais. On va avoir entre 8 et 10 clients. Allez vas-y. Vas-y joue. Tiens regarde, il y a de la viande d'hier là. Qu'est-ce qu'on en fait? Réchauffe là et mets la sur le. Et ça là. Ok. Vas-y. Vas-y attends, c'est où le. Il est où le plat? Super. Attends, je le mets à réchauffer là. Tu réchauffes? Vas-y ouais, go. Je réchauffe. Tu cuis les frites là du coup? T'as pas cuit les frites? Ouais, couper les patates. Oh, j'ai soif. Hop. Ça frit là? Je coupe des patates. J'en fais plein, hein. Je les découpe tout à l'avance, de toute façon, ça va tout finir là-dedans. Ouais. Ça frit pas? Bah, je découpe plein de patates à l'avance, de toute façon, elles vont toutes finir. On peut le faire les frites à l'avance. Ouais, mais j'arrive pas à frire les patates. Ouais, je sais pas, mais non. Mille bravo pour les 1000 balles. Ah, c'est chaud, c'est bon. Ah, mais c'est Orti qui vient d'arriver là-bas. Bœuf. Oh, masterclass. Hop. Tu coupes. C'est quoi ça? C'est des tranches de pommes de terre, c'est pas des frites? Ah, il faut les recouper, d'accord, je sais pas. Je sais pas. Ah ouais. Ah oui, mais parce que, bon, mais il y a des frites comme ça, hein. Les frites maison. Ouais. Je comprends bien. Ah voilà. Des frites. Il faut les petites frites carrées. Vous avez été gavé par la culture américaine. Vous pensez que les frites ça n'a qu'une seule forme alors que les frites ça peut avoir des. Et ouais, bien dit ça. Hop, bien envoyé dans leur gueule. Hop là, tac là. Attaque. Hop là. Ils vont bien fermer leur gueule là. Alors, bon, vas-y, j'ouvre. Là, il y a 7 frites, là. J'ouvre. Bah, c'est... Ah, mais c'est pas ouvert. Si, j'ouvre. Ok, frites. Attends, peut-être. Tiens. Des frites toutes seules? Non. Ketchup mayo, chef. Il y a un truc qui cuit. Non non, reviens. Mais quoi? Mais j'ai pas mis la mayo. Non, c'est bon, c'est 100%, là, ça va. Si, tu sais, en plus, si, t'as mis la mayo. Tu l'as mis à distance. T'as juté à distance sur ta mayo. Ah bah, cochon. Il veut des frites. Ah c'est bon, il a pris les frites. Non, qu'est-ce que j'ai cramé? R. Tourne. Tourne. Non, tourne. Retourne. Ok, c'est bon. Mais on n'a plus de tomates, par contre. Fred? Ouais, attends, tu veux des tomates? Vas-y, j'y vais. Tomates, ouais, faut chercher des tomates, là. J'y vais. Ok, tomates. Ouais, je peux t'accueillir, hein. Par contre, il connaît pas la chaîne du froid, JDG. Hein. Oh, fou, c'est un kebab.
Hop. Ok. Ah, c'est bon. Attends, c'est bon, je peux récupérer les tomates. T'as acheté combien de tomates? Là. Il faut tout faire. Hop. Hop, ça y est, je suis abandonné. Abandonné à mon. Hop. Abandonné, abandonné par mon coéquipier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, je fais tout là. Mais comment ça, je fais tout? Et moi, je ramasse l'argent, c'est pas assez? Oh bah oui, bah ramasse l'argent, vas-y. Par contre, moi, si je me mets. Moi, si je démissionne, il n'y a plus d'argent. Pourquoi les frites, elles cuisent pas là? Vous êtes prêts maintenant? Ah, il y a Juan qui veut, veut venir. Tu veux que j'aille défier Juan? Non, défier demain, Juan. Demain, on défie Juan. Tu me dis ce qui manque devant. Attends, je vais faire la vaisselle. Voilà, juste, je récupère les plats. Tiens, il y a un tomate là. Il y a un bœuf tomate avec supplément mouche. Non, mes frites. Supplément mouche. Ça reste trop longtemps. Attends, ketchup mayo. Hop. Hop. Voilà. Oh, c'est bien les mouches là. Y'a plus de frites, trois chefs. C'est un kebab hein, s'il y a pas deux, trois mouches. Hein. Faut remettre des frites devant. Bah, fais. Elles sont prêtes là. Moi je suis le chef, toi tu occupes de la salle hein. Et comment ça, tu veux que je mette des frites devant? Ah d'accord, ok, tu veux que je mette les frites, que je serve les frites, d'accord. Ouais. Allez, c'est bon. Les frites sont servies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils râlent? C'est con, là. Voilà. Il voulait des frites. C'est bon, il a des frites, lui. Il y a de la viande supplément mouche, là, regarde. C'est bon. Viande supplément mouche? Regarde là, regarde l'assiette, là. Ah ouais, vas-y, je sers. Vas-y, sers vite. Hop là, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui manque, chef? Je sais pas, manger, enfin... refais-moi du bœuf grillé qui est pas dégueulasse. Un bœuf grillé sans mouche, ok. Un bœuf grillé sans mouche, s'il vous plaît. Ça part tout de suite, là. Ah, ils ont pas payé, ils veulent pas payer. Comment ça, ils veulent pas payer? Mais ils veulent pas payer le bœuf mouche. On va monter une équipe. Comment ça, ils payent pas? Ils ont pas voulu payer le bœuf mouche. Si, ils payent. Ah, il s'en va sans payer. Attends, mais sans la batte. sans la batte. Merci Zetortu pour les 20 balles, Antoine pour les 50 balles, merci Max. Attends, ça cuit. Et en plus, il nous a fait un gros doigt. Oh. Tiens, j'ai refait un sans mouche là. Ah, vas-y. Ah, mais la journée est finie. Non, il y a des mouches. Non. Attends, la journée est finie. Garde-le. Mais il y a des mouches. Oui, bah, tant pis. Hop, oh, voilà, après, je fais mon boulot. Je l'ai mis au frigo, ça a tué les mouches. Ah bon, ça suffit, t'inquiète. Demain, elles seront plus là, elles seront tombées. On les enlèvera. Ah, c'est le persil. Mais c'est le persil qui est tout pourri. T'as acheté trop de persil l'autre jour. Ah. Ouais, il faut jeter le persil là. Bah, je savais pas, moi, que le persil il pourrissait. Comment on jette le persil? Hop. Voilà, regarde le gâchis. Regarde où il va le bénéfice. Hop. La poubelle. Et voilà. Bah ça va, faut pas chier, le persil, voilà. Ça pousse sur les arbres. Regarde la facture d'électricité, hop. Hop, la facture d'eau, regarde la facture d'eau là. Hop. Hop là. Regarde les charges sociales là. Hop. Allez, voilà. Ah, le bœuf grillé là. Regarde ton plat là. Hop là, hop. Poubelle. Allez hop. De la merde. Ok, c'est bon. Bah, une belle journée, hein, je trouve. Ah non, oui, là, il y a Juan. Je sais que le persil, ça pousse pas sur les arbres. Arrêtez de me prendre pour un con, putain. Tu sais, premier degré, t'es... Pas parce que je dis des conneries en stream que... Ah si, tout est vrai en stream. Actually, j'ai dit, le persil ne pousse pas sur les arbres. Attends, faut que je remercie les dons.
Merci Craptor pour les 50 balles. Merci The Tortue encore. Merci Varkogan. Merci Police. Merci Théomiro. Merci beaucoup. Ah. T'es là? Ah, tu vas dodo. Je crois qu'il y a un gambling. Ah, t'es mute, dis DJ. Le joueur du grenier est mute. Je suis là, je remercie. Regarde. On peut aller boire un coup là? On peut boire des bières là. On peut aller passer le bénéfice là. Oh attends, mais ah ouais? Il y a le gambling là. Attends, c'est non, quoi? Non. C'est le. Attends. On se fait une partie, juste une, hein, mais pas beaucoup. Une partie, 100 balles. Ouais, 100 balles. Ok, Blackjack. Pourquoi c'est une enfant qui nous donne les cartes? T'inquiète. Comment on joue? Faut faire 21. Faut pas faire plus de 21. Ça veut dire quoi, hit? Hit, c'est rajoute une carte. F, c'est rester au nombre de cartes que t'as. Ça vaut combien, J? 11. 11? 10, pas 10, pardon. 14. Moi, je suis mort, j'ai bust, moi. Ah, t'es bien, stay. Ouais, t'as gagné. Ah, j'ai gagné 200 balles, voilà. J'en ai perdu 100, c'est nickel. Je peux refaire? Non, il faut qu'on travaille. Ah ouais, mais attends, on sait jamais, on peut doubler la mise. Stay. Hop là. On va faire 21, 24, à la bust. Nickel. Vas-y, voilà, viens. Pourquoi on s'emmerde à bosser? Oui, comme dans la vraie vie, bien sûr. Pourquoi on bosse alors qu'on pourrait aller gagner au casino? Allez hop, c'est parti. Au dodo. On est niveau 2 des frites. Niveau 2 de la frite. Seb, la j'aurais dû tout miser, non. Putain! Non. On serait riche! Ouais, mais on est riche déjà. Merci le casino. Merci Mini Proust, merci Mélissandre. Merci le film Minecraft pour les 2€, c'est assez safe pour les 20. Merci Raptor encore pour les 50. Merci beaucoup. On est déjà riche, JDG. Pitié. Mais c'est la nuit là? T'as pas dormi? Bon, ah, regarde. Bon, alors il faut acheter du persil, mais un. Un brin. Un brin? Ouais. Ah non, il y a encore Juan. Ah, c'est un autre. Attends, je veux lui parler. C'est l'inspecteur de l'hygiène. Oh non. Bonjour à vous. Est-ce que vous êtes le propriétaire de cette place? Félicitations pour votre nouvelle société. Je suis l'inspecteur d'hygiène en charge de cette zone. Mon travail est d'être sûr que... Bonne nuit. Kebab Simulator. Pourquoi? Non, ça c'est dimanche. Mon travail est d'être sûr que les sociétés environnantes sont adaptées au code de la propriété. Les mouches, rappelle-toi des mouches d'hier là. J'espère que vous serez un restaurateur respectueux des règles et que vous serez un bon exemple pour les autres restaurateurs. N'oubliez pas de conserver vos aliments dans le réfrigérateur afin d'éviter que la nourriture avariée ne traîne sur le sol, bien sûr. De plus, votre entreprise sera salie par les allées et venues des clients, alors n'oubliez pas de les nettoyer. Hein. J'espère que Kebab Chef, ils ne le verront pas trop souvent. Ça serait mieux pour nous deux. Au revoir. Je vais acheter du persil. Attends, je vais mettre. Ça va, il a parlé des mouches, mais il a pas parlé des blattes. Ok. Ok, c'est bon. On est sauvé. Bon bah ça va être encore entrecôte frites aujourd'hui hein. Oh, ah non ouais. Les patates regarde. Ah oh non les patates. Non c'est les tomates. Bah ouais, attends, mais t'as acheté trop de tomates. Attends en vrai tu crois que si on invente un plat. Coupe ouais. La peau. Oh ouais. Attends si on les frit. Non. Non mais ouais faut acheter moins hein. Ou alors faut cuire plus. Non. Moi je pensais sauvable. Non, je suis pas sauvable. Je pensais sauvable. On les recouvre de ketchup. Heureusement que l'inspecteur de la sécurité il a pas vu. Il s'est pas là. Ah, faut les mettre au frigo. Mais oui, on est con. Les patates ça se met au frigo? Non, c'est des tomates ça. Ah, c'est des tomates. Oh. Ah oui, c'est des tomates. Bah oui, mais comment tu veux que je les différencie? Elles sont pourries. Ah, faut dire. Ah oui, faut mettre au frigo. Bon, bah, les tomates ça pourrit. Rachète 3 tomates. Ça pourrit pas un jour les tomates, le jeu exagère. Dans les premiers degrés, ça pourrit pas un jour les tomates. Il répond pas. Bon, moi, les tomates, s'il fait un peu chaud, ça pourrit un peu quoi. C'est flasque. Bon, je mets tout au frigo, passe. Hein. Bon, tu veux t'occuper de la cuisine ou je m'occupe de la salle, comme tu veux. Vas-y, je vais essayer de faire la cuisine. Ah, tu veux faire la cuisine, oh là là. Je vais essayer de faire la cuisine.
Va m'acheter un steak. Tiens, il faut mettre au frais. Deux steaks. Va m'acheter deux steaks. T'as de quoi allumer le feu, c'est bon? Oui. Ok. Ok. Je suis prêt. T'as mis le menu? Attends, il faut que je range les assiettes. Bon, je mets les steaks au frais, hein. Le persil aussi, il faut le mettre au frais, il faut tout mettre au frais. Pourquoi j'ai entendu un bruit de... C'est parce que je fais la vaisselle. Ah, putain, j'ai cru... Non, mais parce que mes alertes de dons, c'est des bruits d'eau. Ah, on n'a pas d'huile pour la friteuse, je vais chercher de l'huile. Pardon, madame. Pardon, madame, la première fois qu'il cuisine, il cuisine avec moi. Je m'excuse. Toi bien. Je m'excuse, madame JDG. Moi, je t'insulterais, tu vois. Genre, pourquoi si tu cuisines jamais dans la vraie vie, que tu cuisines dans le jeu vidéo, là. Moi, je t'insulterais. Bah, ouais, alors je cuisine, ça m'arrive. Ah. Ok. Je fais le menu, vas-y, Attends, vas-y, fais le menu, On fait comme il y a frites, bœuf. Frites, bœuf. Et demain, on fera plus. Alors, y a, dans les frites, il y a du sel? Hein? Il y a du sel dans les frites? Je sais pas. Tu veux voir? Non. Non, il y a pas. Il y a pas de recette. Ok, t'as mis à chauffer? Ouais. Ok, je m'occupe de la salle, j'ouvre. Vas-y. Vous devez servir un plat. Ah, faut mettre un plat. Faut qu'il y ait un plat qui soit prêt pour ouvrir. D'accord, j'arrive. Comment je sais si c'est cuit? La barre rouge. Faut qu'elle soit à fond? Ouais, il y a une petite flamme au-dessus de la frite. Ok. Vas-y, je m'occupe des condiments, moi. Très bien. Ok. Vas-y, je vais faire des tomates. Il a pas sorti les frites. Mais si, j'ai sorti les frites, il regarde. Il faut les mettre sur la... Hop là. Elles sont cuites, celles-là aussi? Ouais, les deux. Ok. Ah merde, attends. Ah, c'est bon. Hop là, ketchup mayo. Ok. Servir frites. Elles sont parfaites. 193. Magnifique. Moi, je suis pas toxique. Quand c'est bien, moi, je dis. Voilà. Ah, par contre, j'ai pas de persil. Ah, par contre, c'est qu'une. On peut en mettre qu'une à la fois. Par contre, j'arrive pas à couper le persil. Je sais pas comment tu fais. F. Regarde. F. Comme ça. J'arrive pas. Juste F dessus. F dessus. Okay. Il faut le remettre au frais aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Persil. Au frais. Je m'occupe des tomates. Hein. Je sors les tomates, je la mets sur l'assiette. Je t'aide un peu. Hein. Ouais. Hop. Mais c'est bon là, c'est le bœuf. Les frites sont prêtes. Il est trop cuit le bœuf. Il est trop cuit le bœuf. Et il est pas assaisonné non plus. T'as pas mis de sel ni de poivre. Ah bah j'en sais rien moi, depuis quand on met du sel sur le bœuf? Ah bon? Là, genre là, tu peux... Ah oui, mais je crois que ceux que j'avais préparés, ils sont déjà... Ils sont pourris, jette ça, c'est de la merde. Non, ils sont pas pourris, mais il n'y a pas de sel ni de poivre. Pas ça, mes clients. Oh, tes clients, ils ont bouffé ton bœuf de merde, là, pas assaisonné, donc... désolé, mais... Hop. C'est au client de mettre le sel, hein. Bah, voyons. Ça, il le met avec sa confiance. Bah, voyons. Puis il fait la cuisson de sa viande, comme ça, il est sûr d'être cuit comme il veut. Et on n'a pas... On devait faire Juan aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bon, on devait défier Juan. Demain, on défie Juan. Hein. Vas-y, demain, on défie Juan. Bon, on va bientôt avoir plus de bœuf grillé. Il va falloir me refaire un bœuf grillé. Mais c'est salé, parti, hein. Salé et poivré. Grillé. Hein. C'est parti pour un bœuf grillé. Il sale pas. Bon, je peux le saler directement sur le truc, là, regarde. Tout à fait. Voilà. Du poivre aussi? Bah oui, c'est mieux, oui. Bah voilà, c'est bon, suffit de demander, tu vois. T'as fait trois fois dessus? Ouais, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon. T'as pas retourné. Je mets du sel sur les tomates aussi. Je retourne la viande, non. C'est bon le sel sur les tomates pourtant? Oui, bien sûr. Où est le persil? Est-ce que tu peux mettre un petit brin de persil? Je mets le petit brin de persil. Ouais.
Non mais vraiment premier degré, le sel sur les tomates c'est bon. Non mais tu me crois, mais... J'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça moi la tomate crue. À part en salade ou avec la mozza quoi. Il n'y a plus d'assiettes sur les étagères. Bah alors Pourquoi il n'y a pas de tomate là-dedans? Ah elle est en train de cuire. Voilà. Tomate au sel. Pitié. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de frites. La tomate elle est bien cuite. Ouais ouais tout est cuit, okay, c'est bon, okay, vas-y. Ok, c'est bien. Je peux t'embarquer. Bien joué, bien joué. Ah bah tu vois, hein. Elles sont froides, ça les frites brûle, par là. Contre. Elles sont froides les frites, mais bon c'est pas grave. Les frites étaient froides et la viande est trop cuite et il manque le poivre. Voilà. On peut pas tout avoir dans la vie. Ah bah oui mais il faut avoir quelque chose quand même. Non on va faire banqueroute hein, je te le dis. Hop. Le plat il existe. Il est pas fameux, il est pas bien, il existe, il est là. Et c'est bien le matin hein. T'as vu on est bien là. Y'a personne. Trop cool. Oh, fait pas trop chaud. Fait pas trop chaud, y a pas trop de bruit, y a un peu de bruit. T'es dans l'ambiance. C'est cool hein, c'est vrai en vrai. Hein. On est bien là. Ouais ouais. Oh, peut-être faudrait à un moment donné que j'aille faire mon goal avec Orti. Ouais ouais vas-y vas-y. Hein. Dans je sais pas, dans 10 minutes quoi tu vois. Ouais vas-y 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 vas-y. Je ferai ça comme ça, je fais ça avant midi. Ouais, faut que je joue Artisan TD de toute façon. Ah ouais, ah ouais? Ah le jeu, t'as jamais joué? Il est bien. J'ai fait la démo, mais j'ai pas joué au jeu. Oh là là, il y a le... Il veut quoi lui? Ah il veut de l'entrecôte. Bah il y en a encore hein. On est bien là pour l'entrecôte? Bah je pense que oui hein, ça doit aller. Et il veut de l'entrecôte, mais il y en a là du bœuf grillé. Ah c'est qu'il y a plus d'assiettes, faut remettre des assiettes. Ah oui oui, vas-y. Les gens ils peuvent pas se servir. Il faut payer les gens, ils veulent payer là. Oui, ils payent là, c'est bon. J'aide un peu. Ok, normalement on est bon là. Merci Lisa Imperator pour les 5 balles, encore. Merci beaucoup. Merci El Pedro pour les 10 balles. 250 balles, j'avais pas vu. Merci Elanoni pour les 250 balles. Merci Marco pour les 1 balle. Merci beaucoup. Merci Rémi pour les 20 balles. Merci pour les 200 balles. Bénédicte. On est là au profit des associations. OMG. N'hésitez pas à donner. Merci beaucoup. Et tous les dons sont défiscalisés à hauteur de 75%. Allez. Vous avez pas vu, merci beaucoup. GG à tous. Bah, je trouve que c'est la meilleure journée. Ça s'est bah ouais, c'est celle où j'ai géré. Nickel. Non, mais c'est celle où j'ai géré. Bah voilà, nickel. On se corse. Attends, ça je mets ça... Quoi? Pourquoi tu le jettes? On aura bah, pas besoin. Il y a des mouches. Ah oui. Ah faut virer ça alors. Ok, attends. Bah oui, ça c'est pareil hein. Chier. Fait chier, on gâche de la bouffe. Bon, faut aller défier Juan. Juan? Ah, tu voulais pas faire le truc avec Orti? Ouais, bah attends, je vais proposer. Vas-y, hein, comme ça je me fais une petite pause d'on et tout. Je vais proposer, je reviens. Hop. Là, je me fais une petite pause d'on là. Faudrait que je bois aussi. Merci beaucoup, l'inzer. Je vois même pas. Ah oui, on est à 12 000. J'ai pété un plomb. Bravo. Bravo pour les 12 000. Oh. Oh, c'est fatigant hein, de le gérer le joueur du grenier là. Ah oui, il faut faire, tiens, la jarre à jus c'est vidé. Du coup. Ah, il faudrait musique de fête foraine. Attendez. Alors, c'est quoi le premier don YouTube? Quel va être le premier don que je ferai la somme à la fin. Musique fête foraine. Ambiance fête foraine. Orti il est pas dispo avant 2 heures donc j'ai le temps. Ah ouais. Attends faut que je tourne la roue, j'arrive.
arrêter, tu me le dis, parce que moi j'ai mon donation goal. Sonic à faire. Vas-y, bah on se fait comme tu veux, une journée ou deux. Ouais, ouais, ça marche. J'ai foutu du pain au chocolat partout, c'est dégueulasse. J'ai mis dans mon poids. 20 balles, 20 balles, c'est ok. Retenez 20 balles le chat. Oh, la musique de fête foraine. J'ai cru que c'était 200 balles direct. La roue floue, ouais, parce qu'il y a le filtre. T'inquiète. 120 balles? Comment ça, 120? Non, c'est 20 balles. Retenez 200. Non. Hop. Ah, on y retourne, là, direct? Je suis déjà épuisé, moi. Ça m'a déjà épuisé. N'hésitez pas à mettre traire hein, dans le message pour remplir la gourde. Vous remplissez le truc de jus et moi à chaque fois que c'est rempli, je rajoute de l'argent à ma cagnotte. À la fin. Ça fera un gros don à la fin. Sautez. Non, ok. Pas dans le chat, dans vos dons. La team 1000 balles là, la team 1000 balles, mettez traire dans votre don. Pitié. La team millionnaire là. Bon alors, attends, il faut qu'on s'occupe de Juan. Ouais, faut qu'on s'occupe de Juan. Oh, pitié, laisse-moi faire l'accent. Attends, c'est sur Tab, je crois. Tab, et il faut. Gourmet, va dans Gourmet. Il est au Juan. Fais Tab et tu fais Gourmet et tu cliques sur Juan. Juan, invite. Je serai demain. Là demain. Oh. Ah non, et c'est demain. Oh. Fais chier, Juan. Bon, bah vas-y, on fait une autre journée alors. Vas-y. On a marre là, ça fait 3 jours on fait du steak. On a pas autre chose. Ah, Juan il débloque le kebab en plus. Bah vas-y, hein, frites et on a quoi? On a encore du steak? Frites et steak, hein. On a marre de frites steak là. Je cuisine ou tu cuisines? Vas-y, cuisine. Ok, il faut. Frites on a, il faut de l'huile. Tu veux de l'huile? Je vais chercher de l'huile et tomates. De l'huile. Hop. Fais chier, Juan. Hop. Et tomate. Vas-y, j'y vais. Le nom du jeu, c'est quoi? C'est Kebab Chef. Kebab Chef. Kebab Chef. Ah, on a plus de. Combien de tomates? Deux. Deux. Attends, je vais chercher de l'allume-feu, on en a plus. Bah épuisé là le kebab chef. Tu vas faire quoi après toi? Tu joues à TD? Bon je vais jouer genre 20 minutes à TD et puis après je sais pas, on verra. C'est quoi, c'est un donation goal de jouer à TD? Oui. Il faut mettre une review positive mais sur le jeu. Mais le jeu est vraiment bien. Oui mais le jeu c'est bien, je sais c'est pas un jeu que j'aime pas, hein. C'est juste que je l'ai pas fait encore et les gens me disent t'as pas joué à Artisan TD. Ouais, moi je vais jouer, je vais peindre, je vais faire Pregnant Sonic après, je pense. Pregnant Sonic? Comment ça? Ouais, je dois peindre Sonic enceinte avec de la gouache. Ah oui, oula. Oula. Allez, j'ouvre, hein. Ouais, ouvre. Ah, vous devez servir un plat. Merde. Ah, vite! Je suis en cours, là. Au pire, on fera Juan un autre fois, hein, voilà. Oh, il va pas nous faire chier. Hop. Ça cuit là. Hop. Pourquoi c'est si lent là? Hop. T'inquiète. Ça va être un peu lent, mais ça va être de la qualité. Les gens veulent merci manger, c'est bon. À la sortie, tout se ressemble. Hein. Hop. Hop. Regarde moi mes plats ils vont être parfaits. Vas-y, tu peux prendre le steak. Allez vas-y je sers. Et regarde la qualité de mes plats. Pas ouf en vrai. Quoi? Combien? 85% en pâtisserie. Bon c'est pas grave, c'est pas de la pâtisserie. Merci Lindsay pour les 100 balles. Merci beaucoup. Merci Guigui pour les 1 balle. Merci Edouille pour les 5 balles. Allez. Même médecin pour les 20 balles. Merci beaucoup. Pour les 50 balles. Ah par contre les frites sont très bien. Krag pour les 50 balles. Fail. Pour les 10 les balles, frites sont très, très pour les 5 balles. Et oui, elles sont bien mes frites. Faut ouvrir, hein, par contre. Hop là. Ah non, c'est pas ouvert. Mais, non, mais c'était ouvert. Non, c'est pas tout ouvert. Et voilà, et regarde, là, on a rien à faire. Là. Mise en place, parfaite.
mise en place, nickel. Regarde, je peux même me permettre d'en refaire une, là, mise en place, tranquille. Je suis pas stressé. Je prépare mon steak, tu vois, je le selle, poivre. Hop. Mes frites, elles sont en train de cuire. Hop. C'est bon. Ah, par contre, elle va être un peu... Ouais. Bon, elle va être un peu froide, mais c'est pas grave. Là, je peux faire Mickey. Hop. Hop. Tasty. Il est mute. Je sais pas. Non, je suis là. En fait, j'ai mon goal 50 000 qui s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Ah. Parapaparap. Une tomate. Faire la vaisselle. Hop. Et je commence à cuire un autre bœuf. Entier le bœuf. Bon, des évadouis. Oui. Ah bah des frites. Bah elles sont prêtes. Ah mais il y en a déjà encore. Il y en a encore, ouais. On voit pas les indications de combien il reste. Attends, j'ai remarqué. Oh là là, elle s'est jouie dessus en mangeant tes frites, tu l'as entendu là. J'imagine bien. Encore heureux. C'est tellement bon ce que je fais. Y a plus de bœuf. Bah là, il est prêt, hein. Ah, ok, vas-y, je me... Attends. Non, y a pas le bœuf. Attends. Voilà. Voilà, c'est bon. Il y a toujours un petit défaut, mais je sais pas ce que c'est. C'est toujours à 80% sur les... Parce que la perfection n'existe pas, JDG. Oh, la team 1000 balles. Oui. 0, 0, 1. T'as eu un 1000 balles. 0, 0, 0, 1 à l'envers. Nice. Bravo. Bravo, merci champion pour les 1000 balles. Incroyable. 1000 balles. Merci beaucoup. N'hésitez pas les riches à passer ici aussi. Hein. N'hésitez pas à la team 1000 balles à rester ici. On vous adore, la team 1000 balles. Merci beaucoup. Merci les riches. 0, 0, 0, 1 à l'envers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très généreux. Ah ouais. Il se bouise dessus, hein. Vraiment. Ah, mais c'est la inondé son jean. Il faut des frites. Merci, bon, il y a encore. Pour les 20 balles. Merci Anonyme pour les 20 balles. Merci Lindsay encore pour les 100 balles. Elles sont prêtes les frites, hein. Elles sont là. Il n'y a plus de bœuf. Attends, je les. Quoi? Mais je viens de le faire. Il n'y a plus de bœuf. Mais en vrai, c'est tard. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, je pense pas. Au pire, il ira grailler quelque part d'autre. Il n'y a plus de bœuf. Attends, mais je viens de la faire. T'as regardé cet animé? Comment il s'appelait cet animé de cuisine? J'ai oublié le nom. Shokugeki no Soma. Ouais, putain, j'ai pas vu la dernière. Food Wars. Y'a plus de bœuf, mais est-ce que ça vaut le coup? Non, casse-toi, y a plus de bœuf là. Y'a plus de bœuf, dégage de là. Ah ouais? Mais attends, y'a d'autres gens qui veulent du bœuf? Oh non. Ah non, vas-y, bah, là c'est bon, là il faut en faire un peut-être. Je peux en faire un toute vitesse là ou pas? J'essaie de nettoyer, mais les gens ils marchent dessus. Mais j'ai plus de bœuf de près moi. Ça va le faire ou pas? Ouais, j'arrive là. Je suis en train là. Ok. Sans cours hein. Vas-y, j'attends. Ah, pitié, restez, pitié. Pitié. Pitié, je vous en supplie, pitié, restez là, restez. Il faut de l'argent pour gambler, pitié. Pitié, je vous en supplie, ne partez pas, madame. Il me faut de l'argent pour le blackjack, pitié. Pitié. Non. Non, madame. Elle va partir. Oh. Elle va partir. Attends, je bloque la porte. Bloque là. Ah non, elle est partie, elle est énervée. Oh. Ah non, le vieux va partir. Non. Ah non, Mythos, qu'est-ce que tu fais? Tiens. Attends. La tomate, vas-y, envoie. Vite. Ils partent. Oh. T'as été trop lent. Ah non. Non, il est énervé. Trop lent. Trop lent sur le service, là. Beaucoup trop lent sur le service. Ah, c'est toi le service, là. Non, moi, je suis la cuisine, moi. Mais si t'avais cuit ton truc plus vite, bah, on serait pas ruiné. Trop lent. Non, mais il va falloir aller gambler. Ouais.
C'est voilà. Malheureusement la seule solution. Hop, je mets mes frites là pour demain. Hop. Oh, t'as gâché de la nourriture. Putain, mon plat, il était parfait en plus là. Je suis saoulé. J'arrête la cuisine. J'arrête la cuisine, j'en tire les conséquences en me retirant de la cuisine. Je prends les conséquences. Oh, putain. Je me lance dans le. Pourquoi j'arrive pas à poser. Je me lance dans le deal. Dans le deal de drogue. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais gambler. Je vais tout gambler là, regardez. Tout gambler là. Tout gambler. Je peux me prendre une bière. Hop! T'es où là? T'es où? T'inquiète. On va gambler ou quoi? Ouais. Tu gambles là? Tu gambles? Oh putain, elle est énervée. Oh, je bois, là. La meuf qu'on a pas servie, elle est en train d'errer dans les rues de la ville en étant trop vénère, t'es. Mais... Putain, j'ai pas eu mon entrecôte. Mais pourquoi je suis à l'envers là? Ferti tantôt. Oh là là. Attends. Oh. Mythos, tu me fais confiance? Attends, tiens, viens jouer aux fléchettes. Attends, bah j'arrive. Moi j'ai bu. Attends, Mythos, attends. Attends, t'inquiète. Tu me fais confiance? Non, il a tout mis. Non, j'ai pas tout mis. Comment je... Oh. C'est bon, ça, on n'a rien perdu. Ok. Tiens, il y a des fléchettes là. Viens jouer aux fléchettes. Pourquoi tu iras faire près de Banque Sonic? Comment on fait? Ah, je suis bloqué. Pas. Reset, trop. Ah oui. On a perdu 1500 balles. Mais non, c'est pas vrai. Malaise. Ah. C'est ça. Okay, cringe malaise. Non mais t'inquiète, je vais me refaire. T'inquiète, hop là. Bien joué. On a gagné de l'argent? Non! Ouais. Non! Attends, non, t'inquiète. Oh non, ça pue. Si, non, mais t'es sûr! 100%! Oh oui! Hop là! Oh, Jack, plus 5000! Hop là! Oh, c'est bien! Tu vois! C'est bien! Enfin, faut partir là. J'ai envie de jouer, moi. Je peux jouer? J'ai pas joué, moi. Bah, j'en fais une. Vas-y. Ah mais c'est buggy. Oh non c'est buggy. Je fais plus 0. Hit. Stay. Ah non c'est bon. Oh, stay. Ah mais j'ai fait 0. 0. Malaise. T'as comment ça t'as perdu? Non j'ai gagné. Mais non, ah c'est parce qu'il y avait égalité, non? Non, non, il y avait 22, t'avais c'était buggy, je pouvais pas mettre d'argent. Bon tant pis. Là. Allez. Hop là. Sauter. Vas-y. On fait Juan et après Cassos. Ah, tu veux faire Juan quand même? Ouais, non pour voir. Bon, sinon on sauvegarde et une autre fois peut-être. Ouais, une autre fois, on se fait chier à un moment donné. Ça marche. Allez, vas-y, save. Comment save? Ah, mais moi j'ai plus rien. Ah, moi j'ai plus les écriteaux. Bon, je quitte le jeu. Oh, j'ai chaud. En ce moment, il est chaud là. Bah, à tout à l'heure. À tout. Du coup, moi je vais faire ma peinture. Bon, peinture.